reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que je vais vous montrer ici, vraiment, c'est presque impossible. Il y a un pasteur qui a décidé de nous montrer que lui, il est très prêt, il est très fort, il est puissant, il parle même à Dieu. Avec quoi? Avec son téléphone. Hein? Est-ce que c'est possible? Tout le monde en parle. On dit non, c'est pas possible. Vous, les pasteurs d'aujourd'hui, et les pasteurs d'aujourd'hui, comment peux-tu parler avec Dieu au téléphone? Si je vous ai pas montré ça, ce n'est pas bon. Attendez, regardez ça. Quelque chose se passe ici sur le camp. Est-ce que vous avez vu ça? Regardez très bien. Waouh! Le pasteur est ici. Il reçoit une femme qui a beaucoup de problèmes dans sa vie. Et pour régler ses problèmes, il a décidé d'appeler Dieu. Et comment va-t-il appeler Dieu? Regardez vous-même. Il appelle Dieu. Est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est le paradis? Il y a une femme ici qui dit qu'elle est... Bon, vous pouvez lire en même temps. Et il dit, ah! Vous voyez le téléphone, c'est le téléphone qu'il tient dans la main. Quoi, il devait lui demander qui est... Bon, il dit le nom de quelqu'un. Qui est si beau? Et la femme répond. Gens, et puis, vous savez pourquoi les gens applaudissent? Les gens l'applaudissent parce qu'ils se disent que oh, le pasteur, il voit clair, il a la révélation, il a vu dans la vie de la femme sans même la connaître. Quand je vois ça souvent, et puis les gens sont en ébullition, les gens sont étonnés, je me dis, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, les sorciers peuvent faire ça aussi. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, ça, c'est une chose qui est censée être même facile, très facile. Le diable est entré dans ce genre de choses que personne ne vous trompe. Regardez. Il dit un instant. D'accord. Il dit quoi d'autre, papa Dieu? Quoi d'autre, papa Dieu? Dieu me dit de vous demander pourquoi est-ce qu'il me montre un cœur? Dieu me demande de vous demander pourquoi est-ce qu'il me montre un cœur? Ah. Et la femme aussi, elle répond. Elle s'est fait le choix, elle s'est battue le choix. Il dit que nous devions prier pour vos enfants. Deux d'entre eux, là il va devoir mettre la révélation. Deux d'entre eux. Il dit que l'un est épileptique, l'autre est asthmatique. Il dit que je devrais vous demander qui est à Bulawayo. Et il dit qu'ils sont à Bulawayo. Genre la femme vient de répondre qu'effectivement ce sont ses enfants qui sont à cet endroit-là. Il dit ah ok. Et il répond oui, ils sont à Bulawayo. Quand il communique avec Dieu au téléphone comme ça, quoi. Il communique avec Dieu au téléphone. Dieu me dit de vous dire que votre histoire a changé. Mais je vous laisse-toi. Le paradis est en train de parler d'un ensemble vaste. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Et à chaque fois qu'il parle, c'est comme si la femme aussi lui donnait plus de précision par rapport à ce qu'il est en train de dire. Et les gens voient ça comme une révélation. Une révélation, Dieu me parle, Dieu me parle, nous sommes au téléphone, Dieu c'est comment, c'est comment. Et est-ce que tu connais ce qu'on appelle la chiquée? Est-ce que tu connais le placali? Hey, voilà, vous avez fait jusqu'à moi, ça va comme des faux pasteurs. Arrêtez de mentir au pays. Quoi? Est-ce que c'est vrai ça? Attendez, allons voir la suite. Oui, les gens crient. Le paradis est en ligne. Il dit, oh, le paradis est en ligne. Et il lui dit, votre histoire a changé. Et pour changer son histoire, il va lui imposer les mains et elle va tomber comme d'habitude. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Ouais. Parce que souvent, ça vous arrive, hein? Vous arrivez de tels endroits et l'homme a beaucoup de problèmes. On se cherche. Voici qu'on va dire dans un endroit où on voit les trucs pareils, on voit les choses pareilles. Nous-mêmes, on est perdu. On ne sait pas comment on va faire. Mais comme on a tout de problèmes, on se dit, si on est venu ici, que ça a pu résoudre nos problèmes, c'est l'essentiel. Nous, c'est ce qu'on recherche. Et. Voici comment des gens sont entrés dans le royaume de Satan en cherchant des solutions à leurs problèmes à l'église. Est-ce que c'est possible? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est possible qu'un pasteur puisse causer au téléphone avec Dieu? En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le numéro du diable existe. Oui, le diable a un numéro. Je ne vais pas vous donner son numéro de téléphone. Parce que les gens ici sont très curieux. Quand vous avez un numéro, vous appelez. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous appelez, ça sonne. Ils peuvent ne pas décrocher. Mais après, ils vont vous rappeler. À une heure bizarre, à une heure tardive. Ils vont poser la question sur la main. Pourquoi est-ce que tu nous as appelés? Mais si vous essayez de raccrocher, ils vont venir vous visiter vis-à-vis. Après, ils vont venir dans votre sommeil. C'est là la guerre spirituelle a commencé. Juste à partir d'un appel. Bon, si on peut appeler le diable, est-ce qu'on peut appeler Dieu aussi? On peut appeler effectivement Dieu aussi. Oui, on peut appeler Dieu. Mais c'est pas de cette façon-là. C'est pas de cette manière-là. Là où on tient un téléphone et puis on communique avec Dieu devant les gens sont là comme ça. Non, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Dieu n'est pas de bruit inutile. Dieu ne fait pas de bruit. La seule chose qui fait du bruit, c'est le vent. Avec les catastrophes hors du commun, quand Dieu en colère, ça se ressent par les catastrophes naturelles, tout ça. Oui, la terre peut ouvrir sa bouche pour avaler les gens. Tout ça, on a vu ça dans la Bible. Mais de nos jours-là, il faut que je vous dise la vérité. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut parler avec Dieu au téléphone. Comme j'ai dit, oui, on peut parler avec Dieu au téléphone, mais pas de cette manière-là, pas de la sorte. Oui, non, pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, parler à Dieu au téléphone, là, ça ressemble à ceci. C'est très simple à comprendre. Quand vous fermez les yeux et que vous mettez à prier, là, vous êtes au téléphone avec Dieu en même temps. Vous êtes connecté. C'est pas une histoire de dire, tu as pris un téléphone pour appeler. C'est trop long. C'est tellement facile, c'est systématique. Souvent, les gens veulent compliquer les choses. Tu fermes les yeux, tu parles à Dieu directement. Quel est le problème avec toi? Jean, tu veux prendre un téléphone. Tu veux prendre un téléphone. Tu as dit, oh, allô, Dieu, c'est comment? C'est comment? Toi, là, souvent, là. Tu prends du temps avec les gens. Quel est le problème avec toi? Non, 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 Dieu ne veut pas écouter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas ainsi. Non, moi je vous dis la vérité. Quand vous priez, même dans votre cœur, quand tu marches, et puis dans ton cœur, tu dis, hé hey, Dieu, vraiment, quand je vois les gens qui meurent autour de moi, vraiment, ils me disent, hé hey, Seigneur mon Dieu, oh merci pour la vie que tu me donnes. Vraiment,
Un grand merci à toi. Tu as parlé à Dieu comme ça. Hein? Tout ce que tu dis en ce moment dans ton cœur, dans le ciel là-bas, là, c'est comme il y a un grand haut-parleur qui est là-bas et on t'entend, on entend ta voix là-bas. C'est comme tu parles, tu dis, sur la tête, si tu parles comme ça, tu dis, oh Dieu, merci pour tout. Dans le ciel là-bas, on entend, oh Dieu, merci pour tout. Tous les anges écoutent tout ce que j'avais dit. Ils sont tous connectés sur toi. C'est comme ça. Est-ce que tu as besoin de faire la gymnastique? Non. Est-ce que tu as besoin de tomber sur onction? Genre tomber sur onction afin que Dieu puisse te délivrer? C'est pas forcément. Toujours c'est le même scénario. Toujours c'est le même scénario à l'église. On dirait délivrer quelqu'un où la personne doit forcément tomber sur son. Amène la main sur la personne. Ouh, la personne tombe sur son. Ouh, en même temps tout le monde croit. En même temps tout le monde croit. Tout le monde croit que c'est le miracle qui vient de s'accomplir en même temps. Mais derrière vous. Mais derrière vous. Mais derrière vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Souvent, les deux personnages ici peuvent être en train de jouer un jeu. Chacun joue son rôle. Les deux se voient avant. Il dit à la femme, voici ce que tu es censé dire. Et voici comment, voici ce que je vais dire. Il faut que les gens pensent que ce soit, il faut que les gens pensent que c'est vrai. Et que je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire. Je vais dire ceci et ceci. Et tu vas juste jouer le jeu. À la fin, tu auras ton argent. Et puis tout le monde est dans le jeu. Dans la salle, là, il peut y avoir peut-être 50 personnes comme ça pour faire le bruit, beaucoup de bruit quand ça se passe, afin que les autres puissent suivre l'action. Et puis, boum, c'est lancé. Mais, ça peut être aussi réel, dans la mesure où le pasteur est rempli de démons et il peut vous faire tomber, mais ça sera juste pour rigoler, pour faire le buzz. Votre problème sera toujours là. Mais il peut voir vos problèmes. Le sorcier peut voir vos problèmes. Le féticheur peut voir vos problèmes. Mais il ne peut pas arranger. Il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous donner la solution. Comment va-t-il faire pour vous donner la solution? C'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont là pour détruire. C'est ça un sorcier. Donc il ne peut pas te donner la solution. Il ne peut pas dire du genre... Il ne peut pas te dire, par exemple, qu'on t'a fermé dans la sorcellerie, on a fermé ton travail, ton mariage, ton voyage, tout ça dans une bouteille dans la sorcellerie. Pardon, laisse-moi hier voyager la nuit, aller prendre la bouteille là pour venir te donner. Il ne peut pas. Je dis bien, il ne peut pas. Sinon, c'est lui qui va prendre ta place après, vous le tuer. Vous le chuchoter d'abord d'une manière, non? Lui va commencer à prophétiser. Oh, les papa, Seigneur, t'es vie, t'es joie, t'es riche, viens m'aider, viens me sauver. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'église, là, enfin, dans certains endroits que vous voyez comme église, c'est juste du spectacle. Vous voyez, non? Les gens aiment le spectacle. Les gens aiment beaucoup le spectacle. Vous voyez, non? C'est ça le spectacle. He is saying I should ask you who is in Blawayo. They are in Blawayo. That is online. God is telling me to tell you your story has changed. Stand up. Is talking about a food outlet. I don't know what is that. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez propres au Seigneur. C'est parti.